Et vous avez reçu un feuillet pour poser des questions, et après, au lieu de poser la question seulement, madame, ça va vous recueillir un feuillet, et moi, je mets les classes à moi, et comme ça, ce sera plus facile que d'animer le débat. Tout d'abord, parlons de l'origine de l'île d'Haïti. J'aime commencer ainsi la conférence pour que tout le monde sache que l'île d'Haïti, sur laquelle nous sommes en train de vivre, est composée de deux îles bien distinctes. La première, vous allez voir ici, c'est là, c'est l'île du Sud. L'île du Sud a émergé en premier. Elle résulte d'un mouvement tectonique dans le golfe du Lessé, dans la presqu'île de Platon, et elle a dérivé en même temps. En même temps que l'île de la Jamaïque, pour donner l'archipel des Grandes Antilles. Donc vous voyez, il y a là, et l'île du Sud, ici. Il y a ma ville qui touche mon doigt et mon coude. L'île du Sud qui a émergé en premier, et l'île du Nord qui a émergé en deuxième. Donc l'île d'Haïti, ou bien l'île d'Haïti est scellée en deux, dans ce schéma-là. Et l'île de la Grenade est au bout d'un grand canal marin qui a existé dans le temps, ça fait à peu près 18 millions d'années, qui porte de la baie de Neiva, de la République dominicaine, et pour terminer dans le golfe de la Gonâve, entre Léogane et Tabac. C'est ce canal marin, vous allez bien distinguer cette image-là dans la prochaine diapositive. On va ici. En faisant surface, l'île du Nord, qui a rejoint l'île du Sud, a créé cette bande qu'on appelle la perte de Saint Haïti, qui arrive ici, et la vallée de Neiva, en République dominicaine. Vu d'en haut, le relief est bien distinct. Voici la presqu'île du Sud, voici Jérémy, voici les Caraïbes, la presqu'île du Sud, le golfe de la Grenade. Le lac Adjaï est ici, voilà, on y va, jusqu'à la baie de l'Iman du Dominique. Avec quand même 10 millions d'années. Et en se voyant, il a d'abord créé le lac Adjaï au Rio Dominique, ici, qui est un bras de mer emprisonné. C'est pour ça que vous allez voir. Si vous allez un jour en République dominicaine, vous allez du côté de la Guadeloupe, l'eau est tellement salée qu'elle a deux fois la concentration de l'eau de mer. L'eau de la Guadeloupe est à peu près 45-46 grammes par litre de NaCl. Tandis que, à notre niveau, le lac Azéry, qui se trouve dans la région de sa extrémité et de la frontière, la Azéry est une sous-mac qui a été créée par les habitants de la Réunion qui, en ce regroupant, ont emprisonné l'eau de pluie et l'eau de ruissellement. Donc, le ruissellement qu'on retrouve au niveau de l'ruissellement vient justement des sels emprisonnés dans les roches et c'est plus la peine. En prenant le niveau de l'automation, spécifiquement de l'élément de ville de globe, vous allez voir, au lieu de tout en vous approchant, vous allez voir les du sable et vous en prenant de la main, vous avez des petites coquilles, des petites de 1 mm, 1 cm, 2 cm qui sont là. Ce sont des cils de l'ancien temps qui donnent encore le caractère salé, le caractère somat à l'eau du lac Azéry. Avant d'avoir la division qu'on a maintenant dans l'île, dans le temps, avant l'arrivée de Christophe Colomb, l'ère colombienne, l'île était habitée par les Taïnos et était divisée en 5 classiques. C'est le nom administratif qu'on avait pour les royaumes d'époque. Vous voyez que le Havre, le Havre en français, occupait toute l'île du Sud. Et un peu de l'île du Nord, et le marier à Mabana, et Koué, Makwa. En principe, il y avait trois grands cacicas. Trois cacicas se trouvent
division fait le recul. Un groupe dominicain et deux se trouvent, un groupe haïtien. C'est une certaine date de la colonisation française que j'ai pu trouver dans mes recherches. Primote, l'Ibricea, qu'on appelle aussi l'Haïti, et depuis quelques temps, la communauté internationale, lui, qui s'amuse à l'appeler l'île Hispaniola, pour empêcher qu'on renonce l'île d'Haïti, et lorsqu'on parle de l'île. En fait, l'île a toujours eu pour nom, Haïti, qui s'est aujourd'hui, et pas Hispaniola. Hispaniola est une invention de quelques gens qui veulent passer l'île pour Hispaniola et Haïti. Maintenant, commençons à entrer dans le vif du sujet, en parlant de frontières. Tout comme dans un chef de terrain, la frontière est une limite de souveraineté, de compétence territoriale. Deux terrains sont côte à côte, la frontière c'est la ligne qui a les bonnes, qui donne à chaque propriétaire une compétence, une souveraineté sur son lot. De même pour la frontière de deux pays, elle se définit comme la limite de souveraineté et de compétence territoriale de ce pays-là. Derrière ce terme, il y a deux notions fondamentales. Il y a une fonction de linéarité, il y a une fonction de zonalité. Linéarité, une frontière, dit une ligne. Une ligne peut être érigée quelquefois, peut être par plusieurs formes. Et lorsqu'on parle de zonalité, on parle de l'espace habité, qui peut être structuré, bien organisé et qui aussi peut évoluer. La frontière sur le terrain est matérialisée par des éléments physiques qu'on appelle bornes. Plus loin, on va voir comment sont les bornes qui se trouvent sur la frontière haïtienne et dominicaine et comment on les a placées, comment elles sont numérotées. Et la frontière aussi, une fois qu'elle est matérialisée, que les pays sont entendus, l'accord sur les pays est un accord diplomatique et climatique qui a été posé. Donc, autrefois, nous ne savons pas ce qui a été déposé. Mais le relation des nations, c'est là qu'on la dépose et qu'on la soutient. Donc, il y a une nationale à la société qui a pratiquement toutes les frontières légales dans les différents États qui existent. Ça, c'est la dimension politique de la frontière. Mais la frontière aussi a une dimension historique, dans l'envoi ça tout à l'heure. D'où est-ce qu'elle est? Pourquoi c'est comme ça que la séparation se fait entre les deux territoires? La fonction du monde tout à l'heure, c'est la linéarité. La fonction humanistique, c'est l'espace pratique, comment elle est organisée, comment elle est structurée, comment elle évolue. Il y a une fonction administrative, puisque cette séparation de pays, comment on gère cette séparation-là. Quel bureau il y a, comment on traverse le pays à l'autre. Et comment on traverse et qu'est-ce qu'il faut pour la traverser, quand on peut la traverser aussi. Et elle évolue parce que si le territoire sont voisins, quand même il y a des échanges qui se font dans ce territoire. Et c'est là que devient la dimension économique. Donc la frontière, c'est le point de contrôle de différents éléments. Tout d'abord, on contrôle le mouvement de marchandises qui sortent du pays, le mouvement de personnes qui viennent ou bien qui sortent, tout ce qui est mouvement illicite, contrebande, c'est à la frontière qu'on ne peut pas contrôler ça. Et aussi, une autre force extrêmement importante, et nous la vivons bien dans Haïti, c'est la quarantaine. Et surtout au niveau des zoonoses, des maladies animales, la plupart, on a dit toutes les maladies qui arrivent en Haïti sur l'archipel, nous viennent de pays voisins. Donc les animaux qui passent par la frontière apportent les virus ou les microbes qui causent des dégâts dans l'archipel. Donc la frontière aussi a un mouvement de il y a taxation, qualification, donc c'est aussi une source de mise, une source de ressources pour l'État. Mais on a vu aussi en Haïti, peut-être il y a 2-3 ans, au niveau du nord-est d'Haïti et du nord-ouest dominicain, les taux de position, mais le niveau de développement, ont provoqué qu'un groupe dominicain est venu s'installer du côté de Maribao, de Ferrier, pour bénéficier de la même bon marché d'Haïti. C'est le groupe M qui a construit
Donc on est dit, nous avons la chance de visiter cet espace. C'est un pôle industriel, il y a beaucoup de factories. Et les Haïtiens qui viennent sur les Haïtiens, et les Haïtiens viennent sur les Dominicains. Par la ville de la Havre. Donc les Haïtiens viennent là, vont travailler là-bas, viennent les Dominicains, mais l'économie bénéficie beaucoup plus à l'économie dominicaine. La frontière provenant d'un État sur le territoire. Il n'y a pas d'État sans frontière. Donc la frontière fonde l'État. C'est elle qui va configurer l'espace dans lequel l'État va exercer ses compétences. Encore, puisqu'on dit frontière de séparation, aucun pays ne peut aller dans l'autre pays faire n'importe quoi. Vous avez récemment, même s'il y a quelqu'un qui s'échappe et qui a un week-end, a été allé écouter cette personne-là. Il y a des solutions qui existent, qui disent comment on peut envoyer quelqu'un qui a traversé la frontière illégale. Et vous venez d'Haïti, pas seulement pour vous donner la politique, même au niveau de la migration illégale, il y a un peu de l'arrivée qui est certain de pays. Comment on doit arrêter les gens qui traversent la frontière de manière illégale? Donc, puisque l'État n'existe pas sans frontière, et que la frontière fonde l'État, donc il est impérieux pour que l'État, quel que soit l'État, développe son espace frontalier. Et que l'État investisse, que l'État prenne bien, fasse voter des lois, de voir la fondation qui donne à la frontière, à l'espace frontalier, les possibilités de développement. Il y a trois types de frontières. Il y a la frontière terrestre, c'est-à-dire que nous traversons le Soudan, on peut y pas mal de place sur la terre. Il y a la frontière aérienne, c'est-à-dire que nous sommes un petit cadre sur la frontière terrestre et sur la frontière maritime. Et il y a la frontière maritime qui est la limitation au niveau de la mer, de l'espace, de compétences et de pays. Haïti a ces trois types de frontières. La frontière aérienne est gérée par le FNAC, qui est l'Office national de l'aviation civile. C'est elle qui, c'est son État qui autorise les avions à atterrir ou bien à traverser le territoire. La frontière maritime, alors là, voilà, elle est seule avec la République dominicaine, alors la plus proche de nous. Pour la frontière maritime, nous l'avons avec beaucoup de pays. Sur la route de l'aéroport Haïti et l'aéroport Haïti. Haïti est ici, l'île d'Haïti est ici, et l'île d'Haïti a une frontière avec Cuba. Il y a un accord avec Cuba. Et là, les études, les Bahamas, ici, dans le projet Haïti, avec ce pays-là, la Jamaïque, ici, et la Colombie, ici. Nous avons, et c'est fonctionnel. Nous avons fait des récits avec la République dominicaine, et la situation, comme vous savez tous, est en Haïti pour la DCPE, l'espace de la soutien, et un service spécialisé de la PNH. Et dominicaine, ils viennent de changer leur mission de transport terrestre et c'est beaucoup plus compliqué maintenant que c'est en 2015 si vous n'avez pas réglé la nouvelle de l'Europe. Donc vous avez du secteur. Et j'ai dit tantôt qu'il y a vraiment un accord entre Haïti, Cuba et la République de Colombie en matière de frontière Haïti, mais pour les autres pays, on n'en a pas encore. On n'en a pas encore. L'accord qui a été signé en 1978 entre le ministre et le Brutus et d'accès pour la mise à fin étrangère et le chancelier économien Yemama Aguirre, généralement appel, traité et Gabriel Aguirre et de Brutus. Et il a été sanctionné par un vote de la Chambre législative, la Chambre des députés à cette époque-là. Mais pour la République dominicaine, on est en train de penser, pour aller mentionner, relancer les travaux pour initier la démarcation du niveau de la mer. Pour les îles sud, les Bahamas, on n'a pas encore une frontière maritime avec les États-Unis. Nos bateaux
qui viennent et qui sortent de mon père, du travail sur le côté, traversant l'espace maritime, Babé, bien, Taïk, pour aller vendre des marchandises aussi pour apporter des gens qui fuient tout le pays. Maintenant, tout le monde se dit pourquoi on n'a pas plus facilement établi la frontière avec la Jamaïque. Et comme vous le savez, entre la Jamaïque et Haïti, plus récemment, à peu près 50-53 km au sud, ouest du Cap des Iwas, se trouve l'île de la Nanaz. La Nanaz, c'est une propriété des Haïtiens, d'ailleurs, une institution. On la cite comme île adjacente à Haïti, mais dans les faits, cette île a été revendiquée par un capitaine américain, un guerrier américain, disons le Peter Duncan, et un homme d'affaires qui, à eux deux, ont fait valoir le Guadeloupe et la doctrine de Monroe, et qui ont permis d'exploiter le Guadeloupe sur cette île-là pendant plusieurs années, en fait, à la compagnie. Et n'a pas la phosphate. Et voici l'île de la Navaz. Parti passé de l'île pour aller cette Anatole. Ça peut environ 7 km de surface, mais avec beaucoup de récifs. Mais il y a deux particularités, il y a encore du Wallo, qui sont des récifs qui sont d'oiseaux, d'animaux, et aussi, et cette île-là a une particularité. Elle est extrêmement riche en biodiversité. Si bien que depuis quelques temps, elle ne fait plus partie de, comment dirais-je, du territoire défensif des États-Unis, mais plutôt un territoire protégé pour sa biodiversité. En 1999, le centre de la relation à son mari a découvert environ 250 nouvelles espèces animales et végétales. Qui sont en délire. Il y en a déjà 800, mais on a découvert 25. Bon, maintenant, j'ai lu dernièrement, on a monté ici, il y a 25 espèces qu'on a découvert. Donc, le crapaud, une grenouille de 3, 4 et 122. Beaucoup plus petit que la grenouille qu'on a pour ma kayak qui a 500 espèces. Haïti a tenté de récupérer cette île malgré la doctrine de Monroe. C'était sous le règne de l'empereur Faustin Ier. Malheureusement, les bateaux qui étaient envoyés là, les deux bateaux de bien armés et en munitions et en hommes qui devaient chasser la compagnie américaine phosphate, la Navaza phosphate, a dit que c'est parce qu'il y a le nouveau coup d'État, le nouveau province, le personnel ne voulait pas prendre le pouvoir, avait fait rentrer. C'est la tour d'Haïti. Des fois, il y a des pêcheurs haïtiens qui vont sur la Navaz pêcher, et sans problème. Mais légalement, mais dans les faits, aucune expédition haïtienne ne peut aller sur cette île. En 1981, le ministre de l'Outre-Mer a permis à un groupe de l'armateur dans leur métallisation des hélicoptères. De la force aérienne haïtienne, mais nous, nous sommes présents. Et moi, nous avons des accords quand même de classe qui faisaient partie de ce groupe d'armateurs. Et ils ont été contraints par une force hélicoptère américaine de dégager. Parce que ceux qui arrivent, non seulement ils étaient dans un hélicoptère, deux hélicoptères d'armée d'Haïti, donc en ville, au Midaël, eux aussi, ils avaient subi des armes. Et les médailles et les armes de moins. Donc c'était une violation du territoire américain. Et les deux hélicoptères qui étaient venus, les ont demandé de. Alors il faut installer une antenne pour les droits de l'homme. Ils ont commencé à installer une antenne et ils ont demandé de tout démonter et de regarder Haïti. Sous la menace des armes et des pilotes, mais des occupants des hélicoptères américains. Alors c'est la seule pratique de l'occupation de l'île qu'on connaît du pouvoir haïtien, qui est celle de l'empereur Sulu. Et en 1858. Maintenant, on a parlé de la délégation de la frontière avec Caraïbes, qui d'abord se voulait mettre à la base. La race nous appartient, mais elle est occupée par les Américains. Et vous savez que, à partir de la doctrine de Monroe et du Guadeloupe Acte,
beaucoup d'îles, l'océan Atlantique avait été libéré par les Américains, mais beaucoup d'entre elles avaient été remises à l'Angleterre. C'est mon pays, mais aussi les Bahamas. Là, c'est une des rares exceptions. Une dizaine, il ne doit pas être remise, mais avant, ça passe. Donc, le problème est que dans la même mentionnée pour ceux que vous connaissez, Ferrier, dans la même Ferrier, la même mentionnée, Mansenio, il y a 7 et 6 poilés qu'on appelle les 7 frères. Les 7 frères, en délit dans la frontière, je vais vous ça sur la carte, sur une étape. Okay. Dans cette table là, ici, vous voyez, le pointillé devait être la frontière maritime, dans le nord et dans le sud. Vous voyez, ça monte tout droit et ça fait une courbe sur la gauche. Eh bien, entre le grand pointillé et la terre républicaine se trouvent les 7 récifs poils, qu'on appelle les 7 frères. Donc, qui en principe appartiennent à une dynastie. Mais dans le tracé de la frontière entre le tracé actuel, en 1956, malheureusement, nos commissaires n'étaient pas pour présence sur le terrain. Pour ne pas dire qu'ils étaient rarement présents sur le terrain. C'est de là qu'est venu ce problème-là. Ils n'ont pas vu, malgré c'est le début de la frontière, si vous voulez souvenir ainsi. Donc, on va voir ça tout à l'heure. Et les Dominicains ont profité, et les bases américaines faisaient partie de la commission technique internationale sur les travaux, ont pu remettre cet espace maritime à une Dominicaine. Donc, tout le temps, nous avons eu ce problème, diplomatiquement, de façon à avoir notre souveraineté, parce que la frontière donne la souveraineté au pays. Maintenant, il y a deux points litigieux pour le niveau de la mer. Donc, qui disent, mais qui prouvent que nous n'avons pas encore cette souveraineté, parce qu'il y a deux brèches dans notre frontière maritime. Vous voyez ici, c'est la frontière placée avec Haïti avec de Colombie. Parce que Haïti va s'appeler Colombie ici, parce que Marie ici. Donc cette frontière placée. Voici les problèmes géographiques de cette frontière. Là, c'est avec Dominique, c'est pas du Venezuela. Haïti est en face de la Colombie. Vous voyez pourquoi les produits ici peuvent facilement dans Haïti parce que Haïti nous en face. Je vais ajouter le Colombie, parce que ça va être ici. À la base, c'est ici, dans la Colombie. Donc, cette ligne frontalière, Marie, qui est une imaginaire quand même, on a la coordonnée pour cette frontière. Maintenant, pour le Bissoye. L'île d'Haïti a été occupée par les Espagnols avec la guerre de São Paulo. Et ensuite, il y a eu les Français, à travers le palais fusil, qui sont venus pour ils ont s'installer. Vous savez aussi que, à cette époque-là, en Europe, il y avait plein de puissances impérialistes, colonialistes, qui étaient les États-Unis, comme ça s'appelle, et la Hollande, la France, le Royaume-Uni, l'Espagne, le Portugal, les grandes puissances impérialistes colonialistes. Donc, en 1778, ces nations-là, on essaie de faire la paix entre elles. Et de leur possession aussi à travers la Tanzanie. C'est le dernier qui a été ici en Hollande, 1778, qui disait que chacun devait respecter les possessions de l'autre. Bien que tout cela ait été la guerre de 9 ans. Avec 9 ans, on a eu le traité de Ruswick, tout nous signé en Hollande. Alors, dans les États-Unis, ça va être un peu plus.
va avoir même pas dans la colonie, parce que à ce moment-là, on allait séparer l'île d'Haïti en deux colonies. Une pour la France et une pour l'Espagne. La France gardait la partie occidentale et l'Espagne la partie orientale. Mais de 1878 à 1900, les Français étaient tolérés sur le territoire. Les Chinois étaient sur l'île de la Vache et sur l'île de la Tortue. Ils étaient là comme des bons voisins, mais n'étaient pas des propriétaires de cet espace-là. Avec 1877, la France a eu la séparation avec l'Espagne, cet espace où nous sommes maintenant. Mais en 1795, avec le Téribal, l'Espagne a cédé totalement l'île à la France. Même si il y avait encore des poches, mais des regroupements, des communautés espagnoles sur la partie orientale. Il y avait encore quelques coins, Mata de Falfán, Zina Rodríguez, Santo Domingo, il y avait encore des groupes espagnols vivant encore sur le territoire, même si le territoire était cédé à la France à travers le traité de Brunswick. Mais avec la bataille de l'indépendance qui a culminé avec la victoire de Berthier et l'indépendance de l'obligation de la Bonaïve, l'empereur, le général Dessalines et ses adjoints, les généraux qui ont signé l'accord avec lui, ont déclaré la solution de travail sur l'île entière. Et ont appelé l'île entière Haïti. Dans cette partie de l'histoire, on ne l'a pas assez souvent. Donc l'indépendance a eu lieu pour l'île. Alors, voici la frontière plus ou moins à l'indépendance d'Haïti, même si je disais tantôt que la situation de Sahara a été faite pour l'île entière, mais avec quand même une frontière, le plus était dans l'ouest et mettait les 77. Du Slimex 1977-78, on avait cette ligne-là qui partait de la mer de Mancénie, tout passait par Baron Kitt à Saint-Michel de la Talaye, descendait jusqu'à peu près sur l'Esther, la zone de la Saopas, et descendait jusqu'à la ville de Lossabit. C'était plus ou moins la configuration. De ce côté, les Haïtiens, nouvellement nommés, parce qu'il y avait les esclaves, les indigènes, et la Dominicanie, qui était une province de l'île, Dominicanie, était de ce côté. Le côté de l'État. Mais, il y avait encore des Espagnols, des petits groupes, mais beaucoup plus de Français. Et les Français de l'armée française sur la partie est de l'île, avec le général Ferrand. Le général Ferrand s'amusait de temps en temps à faire des incursions sur le territoire haïtien. Il capturait les Noirs et les vendait comme esclaves dans les îles avoisinantes. C'est ainsi qu'il venait comme activité principale. Donc, devant cette plainte-là, le général et Saline avaient décidé d'occuper. Ils ont cette partie. Et il envoie les réunions Christophe partant du nord et Pétion partant du sud pour occuper effectivement cette partie et en faire un élément de la rive d'Haïti. Maintenant, arrivé au port de Saint-Domingo, des bateaux français qui étaient dans la zone de la soie, rue Dominicaine, dans cette zone-là. On fait des stables de panneaux, peut-être avec de la cédule de fermentation. Et c'est un livre de la cédule de ce qu'on appelle l'Haïti espagnol. L'Haïti espagnol. L'Haïti espagnol n'a pas mis plus longtemps. Il y a beaucoup de discussions entre les Français et les espagnols, les descendants de français espagnols. Et
en 1821, Nunez de Caceres, qui était à ce moment-là le leader politique de cette partie de l'île, a invité par lettre le président Boyer, qui entre-temps a remplacé le président Pétion décédé, 1816, a remplacé le président Boyer à venir en cette partie de l'île-là. Si vous prenez la ligne d'histoire de républicaine, il faut dire que le président Boyer a envahi cette partie-là. Le président Boyer était un militaire. On l'a invité, il était encore général président. Il est rentré là-bas en militaire. Comme il est sur le côté aussi, il est allé avec sa troupe, au cas où il y a un problème. Mais ils l'ont battu dans la position républicaine. Quand on arrive à Santo Domingo, les Égalès a remis les clés de la mission du groupe au général, au président Boyer. Donc si on remet les clés, ce n'est pas une évasion, c'est une visite. Faisant une visite sur l'invitation de visite, décidée par le Boyer, c'est une visite. Donc l'histoire n'a pas eu, n'a pas voulu que ce fait là. Et le président Boyer a occupé l'île entière de février 1822 à février 1853. Là encore, il y a un petit problème, beaucoup de gens disent que Boyer, président Boyer a été à la tête de l'île sur 1854. Non. Il a été chassé du pouvoir par les commencés, ceux du sud de l'habitation Calais, qui ont appelé manifesté au Calais, avec le réel à la tête, qui lui est devenu président de 1853 à 1854. Donc l'ordonnance dominicaine, c'est lui qui était président de l'île entière. Ouais, c'est le fait que l'histoire n'a pas vécu, donc je vais tout ça là, ici n'a pas vécu, c'est ce que je fais là. Maintenant, pendant l'occupation de Boyer, on dit que Boyer était un géant, que Boyer faisait ses spirituels, c'est là, que j'ai pas besoin de beaucoup de documents. J'étais dans le document Paul du géant de Boyer, mais de l'union de Boyer. Ce que j'ai vu aujourd'hui dans les documents, en 1820, lorsque Bolivar a créé la même colonie, Panama, Honduras, ces pays-là, le Venezuela, suivi par Miranda, beaucoup d'habitants espagnols qui étaient encore dans la partie est de l'île ont préféré migrer vers la grande colonie. Tout simplement, en 1818-19, Les Caceres avait écrit à Bolivar pour que l'Haïti espagnol fasse partie de la grande colonie. Bolivar avait refusé cette demande. Je ne sais pas, je ne sais pas si je pense qu'il a été un bon ami, mais je ne sais pas l'histoire là-bas, pour que le fait là. Mais Bolivar avait refusé. On n'a pas la raison pour laquelle il avait refusé. Mais c'est après ce refus que Caceres a décidé de se tourner vers le Zamboyé et l'inviter à l'aider de se débarrasser des Espagnols et des Français sur le front. Alors, les Espagnols, des royalistes. Les royalistes se trouvaient encore dans cette partie de l'île. En migrant vers la grande colonie, et aussi vers Cuba, et vers la presse de Fenerife, dans la ville d'Amérique du Nord, un vide a été créé au niveau du corps professoral. C'était les plus avisés, les mieux formés qui laissaient cette partie-là. Maintenant, faute de professeurs bien formés, l'université a dû cesser ses activités. Mais c'est Marie Zouaï qui avait fermé les écoles pour en faire des prisons. Mais depuis ça, il n'y a aucun livre écrit par les Dominicains. Même dans les archives générales de la vie dominicaine, on ne peut pas se faire. Il y avait 40 professeurs, donc on n'a pas d'université, on recevait beaucoup moins d'étudiants à l'université de Santo Domingo, qui était la toute première de la ville. Donc ils ont pris leur indépendance en février 1854, décidément, ça fait quand même 60 combien de temps, 67 ans, à peu près. Aujourd'hui, le 7 février, ils ont leur indépendance, sur un fait assez bizarre. Vous allez peut-être en rire,
C'est comme lorsqu'on avait en Haïti, il y avait des deux voisins, le pays l'autre. Les groupuscules de Dominique s'étaient révoltés, avec à leur tête, on n'est pas de droite, il y a un espagnol de Barcelone, qui vivait en Dominicanie à cette époque-là, une province avec d'Haïti. Ils ont osé ces sujets à bloquer les principales routes et à proclamer que la République est bonne. Ils étaient différents de nous, ils étaient des Mulats, mais des Blancs, ils étaient des Noirs, ils étaient catholiques, ils étaient des Voyous du Nord, ils étaient descendants de Blancs, ils étaient descendants d'esclaves, pour dire que nous sommes totalement différents d'eux, donc ils devaient se larguer de nous autres de la vie d'Haïti. C'était la raison qu'ils évoquaient. Maintenant, à cette époque-là, vous savez que, avec l'unification des deux territoires, la Mauritanie, la mauvaise Mauritanie et la vie d'Haïti, beaucoup de nationaux avec migré d'un côté et de l'autre. Il y en a qui étaient venus en Haïti, des Espagnols et Français, il y en a d'autres, il y a des Haïtiens qui avaient migré vers les Dominicains, vers la Dominicanie. Ils ont pris tout en Haïti, mais vers la province, vers la Dominicanie. Ces Haïtiens-là, on a fait acquisition de biens, de maisons, de terrain, de toutes sortes de choses, de chevaux, de toutes sortes de choses. Et à l'événement de la révolution, en créant la Dominicaine, un article disait que tout ce côté-là était pour ce pays. Oui. Puisque ce que je voulais de ce côté, et ce bien appartient à ce pays-là. Ce qui fait que beaucoup d'Haïtiens ont perdu leur bien. Je cite par exemple la famille Carrier, dont un des descendants de l'assurance, Christophe Célèbre, dans l'affaire du massacre de 1957, ils avaient été. Ils étaient en procès jusqu'en 1927 avec la ville dominicaine. Parce qu'il y avait deux ou trois maisons à Saint-Domingue. Maintenant, le général de Charles-Étienne de Gaulle, qui était commandant de la place de Saint-Domingue, voyant qu'il y avait des insurrections de temps en temps à l'arrivée, que telle ville se souffrait, il s'était dit, monsieur Haïtien, monsieur René de Valence, monsieur Malmotte, je n'ai pas venu pour nous sur ce territoire-là. D'autant plus que, plus de la même des soldats sont avec moi, sont nés sur ce territoire-là. Donc ce sont les créoles. Donc je ne peux pas me trouver entre les soldats qui me commandent, qui ne peuvent pas obéir, et la militaria commandée pour ne pas le garder, les civils, parce que les civils ne font pas tout. La journée, bon, j'accepte, vous êtes indépendant, que me retire. Voilà la question pour vous. Il a inventé les archives, il a inventé ceci, il a inventé cela, les armes et tout. C'était accepté et il est entré en Haïti avec tout ceci. Je pense que le général, c'est à l'étienne des doigts. Il y avait peut-être une rafale de fusil, peut-être 4 ou 5 fusils de tirer sur la place, sinon ils sont venus à El Monde, la porte d'El Monde. C'est là qu'on avait l'inapplication pour la première fois, l'inapplication disant que nous sommes différents de ceux de ces ça, nous voyons comment cela arrive. Maintenant, tout de suite après, ça a eu le départ de guerre. Quand c'est arrivé, l'équipe de l'URH a séparé et aidé, on ne peut pas vous à accueillir l'indépendance de ce port de la Dominicanie. Mais dans tout l'Haïti, on va chasser l'URH pour avoir permis à Haïti, pour avoir causé à Haïti la perte de ce territoire. Et les bienvenus de pouvoir, le Gironda, Pio. Il a passé le moment au pouvoir et il a essayé, il a planifié une tentative, mais il a été apporté dans l'œuf. C'était. Donc, Pio, c'était avec Guerrier, avec sa Pio. Mais la vraie tentative qu'on va avoir, c'est sur le président Sous. Et la deuxième tentative, c'est la première de Sous. La première, c'était sur les Salines, la deuxième, c'est sous nous. La première de Sous, mais la deuxième tentative. En 1949. Pour les mêmes, sous l'autre, il y a deux tentatives, une première comme président, une deuxième comme empereur. Bon, je ne peux pas parler de la deuxième parce que, à ce moment-là, il y a eu la révolte de Maximilien Germain, qui voulait effectuer un coup d'état à Port-au-Prince, et sous l'autre, a demandé à ses troupes de rentrer à la capitale. Encore une fois, la même chose s'est passée qu'avec Christophe Pétion, les soldats haïtiens, comment cela se faisait? Chaque territoire qu'ils occupaient, les soldats donnaient le drapeau haïtien. Ils descendaient le drapeau
dominicain et il sert le roi ici. Donc c'est le territoire haïtien. Donc si c'est une caserne qu'on a dans le roi ici, c'est le territoire haïtien. Puis les soldats, d'abord, sont les défenseurs de la frontière. Donc la frontière s'étendait au fur et à mesure. Maintenant, maintenant, je suis du coup d'état de merci mes Anglais. Alors si on a pris avec le commandant des Anglais, les Norse ont dû retourner à Port-au-Prince et en retournant, il y a eu deux faits. Il y a eu encore un autre massacre. Les citoyens qui ont été dans les Dominicains, avant c'est les français, par exemple, les Dominicains ont été massacrés, littéralement. Mais les Haïtiens n'ont pas un père là-haut. Après, il est encore resté au niveau des casernes. Et sous nous, on a profité pour récupérer certains territoires. En particulier, le grand territoire de. Le grand territoire de. La défense, je ne sais pas tout à l'heure. Et dans le déficit, et le secteur de la société avec la bière à ce niveau-là. Donc, nous sommes à une territoire qui était des territoires dominicains. Vous autres qui connaissez le territoire bien, par exemple, il y a San Miguel de Araya, c'est le secteur de Araya. Ça s'appelle San Miguel. Dans la carte que j'ai montée tout à l'heure, dans la carte que j'ai montée tout à l'heure, ici se trouve le secteur de Araya. Vous voyez, c'est à la limite du territoire espagnol. Donc, Soulou a occupé une bonne partie de la frontière. Cela va poser un problème dans la démarcation de 129. On va voir ça plus bien. Donc, il y a eu un massacre, il y a eu une occupation de territoire. Donc, si je vais vers devant, donc à l'arrière, c'est pour moi. Donc, toute la partie de ce de la Talaï, de Maïssal et de Pignon, tout ceci a été récupéré du territoire espagnol, dominicain, et placé dans le territoire haïtien. Mais un fait va souvenir après, avec l'arrivée au pouvoir de Pedro Santana en 2010. Pedro Santana est un natif de Henche, de Villeneuve, de ce sous-loup à ce territoire. Lui, devant la puissance de l'armée haïtienne, le temps de 1915, il a préféré annexer son territoire à l'Espagne. Devant le gouvernement de ses concitoyens, et maintenant il y a eu l'Haïti. Pourquoi? Est-ce que vous voulez le territoire libre? Vous êtes maintenant des citoyens à part entière, donc ils n'étaient pas contre le peuple. Le Santana est ensuite pour le gouvernement de l'AES, qui était d'accord, le président était d'accord aussi avec cette annexion. Et le territoire haïtien aussi, parce que nous autres, les Haïtiens de l'époque, nous avons nos ancêtres, voyaient mal la maison de l'Espagne à côté d'eux. Encore plus sur le journalisme, sur le pénaliste, avec beaucoup d'un avec l'effort, qui a notamment pu envahir Haïti et nous faire retourner dans l'esclavage. Donc, Haïti, par tous les moyens, devait chasser les Espagnols, alors la côte d'Espagne, monsieur Tengon. Et le travail a été fait par le président Fabio Latifor. Qui fait dans le deal avec une concubine dominicaine, qui est la demeure du président Ulysseo, qui est la demeure aussi du président Balaguer. C'était la bonne affaire, mon ami du président Gifford, et lui, il a été venu personnellement avec les finances d'Haïti. Il a acheté un bateau qu'on appelait le télégraphe, au nom du consul dominicain à Saint-Thomas. Et c'est cette chose-là qui a apporté l'exemple pour le fonctionnaire, pour chasser les Espagnols de l'époque. Ce fait-là non plus n'a pas été connu dans l'histoire. Du côté haïtien, du côté dominicain. Mais on ne parle même pas de l'histoire. Il parle de restauration, la restauration de la République. Ils ne disent pas que c'est le président Gifford qui a facilité cette restauration. Et lorsque le consul français lui a demandé, président, mais pourquoi avez-vous fait ça? Il a dit, vous serez né, vous va voler au secours de sa petite soeur. Donc à ce moment-là, en 1914, à l'opération américaine de la République dominicaine, tout l'échec émis par l'autorité dominicaine est considéré par le gouvernement haïtien. Tout l'échec émis par l'autorité dominicaine était considéré par l'autorité haïtienne pour le valoriser, pour garantir les fonds de l'Union dominicaine. C'est encore
un fait de l'histoire ne peut pas revenir à tort. Regardez, c'est une table que j'ai trouvée à l'université de Laval, à Luther. Regardez bien, comment est un territoire sous Jeffa. Regardez bien, ça va être toujours de. Moi, il y a même un tiré ici. Ça va être plus loin. De Ferrier, de Mancé, ça va être parti de Pépio Salcedo. Ah non, de Mancé, c'est de Mancé Christi. Ici, que je suis pas à frontière. Ok, ça va être tout droit. Il y avait toujours son enfant au niveau de Corignan, on voit. La frontière, la ligne descendait. Et une partie de l'Afrique ici se trouvait en ville d'Haïti. Au lieu de descendre par Oviedo ici pour aller vers France Afrique, comme ça, la ligne descendait jusqu'à l'île de Béal. Vous voyez, c'est pratiquement qui croit être quelques brisures. Ça, si vous allez aux États-Unis avec l'Afrique de l'Université à Bâle, vous allez trouver cette carte dans le document écrit par les Américains. Là, il y a ici, on a l'île d'Haïti. Donc, c'est la carte qu'on avait. Sous les hommes et Jéhovah. Maintenant, puisque Haïti a libéré la ville américaine du joug espagnol, Haïti, intrinsèquement, Haïti commence à reconnaître l'existence de ce pays-là. Un premier traité a été signé sous le président Michel Domain. Mais n'avait été ratifié par le Parlement. Parce qu'il y avait des troubles, des choses comme ça. Il y a un autre traité. Non, 1867, pardon, mais c'était. Je ne rappelle pas qu'il était après, en fait. C'est Jeffa, c'est un consul Jeffa. C'est Jeffa. Et quand il était parti en exil, on n'a pas de nouvelles ratifiées. Mais c'est le domaine passé de 1874. Quel traité? C'est peut-être le plus moderne de l'anarchie avec la République américaine. Et. Haïti a inventé à ce moment-là le niveau de développement. Non seulement le traité faisait la paix à la Dominicaine, le traité reconnaissait le développement pays à partir, pays souverain, le traité expliquait comment on pouvait s'organiser comme pays frère, mais à l'article 12 de ce traité, il y a une chose que l'histoire ne peut pas retenir en plus. Le gouvernement haïtien s'engageait à donner chaque année pendant 8 ans 150 000 piastres comme appui au développement américain pour le pays puisse s'organiser. La première fois qu'on parle de l'appui au développement. On n'avait pas pour ce thème, je dis carrément que c'est Haïti qui a inventé ce thème-là. L'histoire ne retient pas combien d'argent a été versé de ce article. Mais on avait commencé à verser les deux. Il y a des chèques de l'État, donc des chèques ont été retracés, mais on ne peut pas confirmer si la totalité a été. Et ça fait 1 200 000 piastres qu'on devait donner à ce pays frère pour qu'il organise ses structures, ses institutions. Il y a eu d'autres accords sur les autres diasames, c'est la Sam Simon. Cela va donner tellement de problèmes qu'on a dû faire une convention pour interpréter. C'est d'accord. Parce que j'avais toujours à la base sur le problème de l'Église, sur les deux religions, sur les deux origines, et ça existe comme critère. C'est des critères aussi, ça c'est des critères. Mais, comme en Haïti, ce territoire était déchiré par des Christine. De temps en temps, il y avait tout d'État. Notre compatriote, Libère, Ulysseo, appelé Libis, avec tout ce qui pouvait pouvoir le pouvoir du comité. Nous savons qu'il a été élu, mais il faisait des petits coups d'État, des petits arrangements constitutionnels pour le garder le pouvoir. C'est les deux sont haïtiens, sa grand-mère est haïtienne, ni au pas haïtien. Donc le pays était déchiré pour aller aussi. Si bien qu'en 1914, je veux dire, en 1912-1914, il y a eu tellement d'événements politiques, tellement de changements au niveau présidentiel américain, que les Américains ont décidé d'intervenir dans ce pays-là. C'était le 28 juillet 1915. Ah non, c'était le 5 mai 1916, excusez-moi. Ils ont, mais nous ne sommes pas restés longtemps. Ils ont resté juste le temps
d'organiser le tracé de la frontière. Avec vous. En Haïti, nous avons eu le président Bonne Machin, de Le Comte jusqu'à l'animal Théodore, avec le ministre de Société avec les bornes avec le président Bonne Machin. Ils sont intervenus en Haïti aussi. En 1910, mais pour rester beaucoup plus longtemps. C'est après le départ des Américains de l'Union Dominicaine, qui sont partis en 1924. Je suis président de l'Oasso Vasquez, et en Haïti, le président Bono, qui a été signé le premier traité sur la frontière. C'était une belle amitié. Il y a toujours été de belle amitié, tout comme ça. Là, il va. Les avons débuté effectivement. Avec des commissaires, des commissaires qui ont été choisis pour chaque pays, on a des commissaires. Mais en 1931, un problème. En descendant de Féridé, arrivé du côté du Liban, le Liban c'est du côté de Tilori, vous connaissez la tout ça, Tilori, c'est la même façade, non officielle, mais la clandestine, où passe beaucoup de marchandises dans tel pays. À ce niveau-là, les Dominicains voulaient tourner à droite, vous serez dans le secteur de la Talaï, et je disais qu'il fallait descendre parce que la mienne nous appartient. C'est l'origine de la localité de la citoyenne la mienne, qui a été éprouvée par Soulouk lors de la guerre de la Tune, l'opération de l'Est. Donc, il y a un désaccord, ça a duré à peu près 3 ans, et donc, on a dû signer un autre protocole, un autre accord, pour clarifier cet aspect-là. On a signé un autre protocole en 1936. À ce moment-là, officiellement, le président Trouillot a remis la mienne à Haïti. Ça fait partie de l'État dominicain à partir de l'Haïti. Et, du même coup, ils se sont mis d'accord pour construire une route internationale. Pour éliminer les 4 passages officiels qui sont Panamé de la Rabon, Belader, Comitadol, Malpasso, qui est un sac de ils voulaient construire une route au milieu de la frontière, qui serait la route nationale. Qui devait durer 6 ans, et chaque pays devait continuer en moitié de les frais de construction de cette route. Malheureusement, on a commencé, mais on n'a pas terminé avec cette construction. Donc, pour la vision, on a eu cette vision-là, et on a ce tracé, qui est le tracé actuel. Le tracé actuel, voici le tracé actuel de la frontière entre les deux pays. Qui prend. Oui, avec la carte sujet fort, la frontière partait de Montepouste ici. Maintenant, ça part de Ferrier en Haïti, Ferrier Salcedo, les associés de l'Académie, le président actuel, le week-end, le président de Abinader. Vous voyez qui descend. Voici. Voici Abinader, voici Tilo ici, et ça fonctionne en face. Et ça fonctionne, c'est la ville où ils ont repris dans les bonnes sorties d'Haïti. Parce qu'ils ont appelé cette ville restauration. Donc, restauration de la République. C'est tout ici. Et aussi, nous avons reconnu cette partie, vous voyez. La frontière descendait jusqu'à l'île. Maintenant, on a la frontière qui est. On a dédié à partir de Biedo ici. Et on a fait du soutenir, voilà. À partir de la cette frontière. Donc beaucoup de territoires se trouvent, disons, à l'est de notre frontière, on est des territoires appartenant aux Haïtiens. Et vous allez voir pourquoi. On va faire plus ou moins une carte pour montrer l'évolution. Vous allez voir une autre carte tout à l'heure. Voilà l'une des raisons qui a provoqué, alors qui a provoqué le massacre de 1957. Je dis bien l'une. Il y en a trois. La première, c'est l'affaire Villery, qui sont des Noirs, qui sont des religions, qui sont des esclaves. Nous, on est séparés de nous autres. Donc, ce territoire qui nous occupe, on va chez ici, nous devons la récupérer, et nous l'avons récupéré. Donc, physiquement, nous l'avons récupéré, mais éthiquement, nous devons nous débarrasser de cette masse, qu'ils appellent de cette plaie, cette baignoire. C'est comme ça que les fondateurs de la guerre, qui s'appelait Antour Manuel Pignabache,
nous passons à l'électricité de plusieurs sportifs. Et lui, il a déclaré ça. Après avoir délimité physiquement de la frontière, nous êtes maintenant la délimite équipement. Donc, vous êtes des vidéos. Vous voyez? Donc, les Haïtiens commencent à prospérer sur le là. Ils ont venu des photos de pistache, de carbone, de pavoco, d'avocat. Que les grands dominicains voient ça ouvert. Ils commencent à s'en jouer les Haïtiens. Ils commencent à avoir de l'argent, ils s'en vont à la petite maison, ça vient mieux aller à l'église. Et on était une petite fête, ça ne plaisait pas aux Dominicains. Et ils ont fait savoir aux président Trudeau, qui est l'origine haïtienne, je pense à la mère, à la chevalier, que les Haïtiens volaient l'hôpital. Ils faisaient une relation. Et tout d'abord, du côté de Banika, que l'on a fait dit qu'il a fait assassiner 300 Haïtiens. Mais tous les documents disent 75. Et ensuite, le 2 octobre, pendant qu'il était en visite à la Havon, il est en visite sur toute la frontière. Et lors d'une session qu'on avait offert pour son honneur, il a déclaré, et vous allez lire ce qu'il avait dit. Je vais essayer de donner cette diapositive. Le président a prononcé le discours. Et c'est après ce discours que le massacre a commencé à se dérouler. Mais l'histoire a eu trois noms, trois couillères. Domingo Rodriguez, Antonio Arasa et Antonio González. Ces trois-là ont été les trois couillères. Ils avaient hébergé les soldats dominicains, leur avaient donné de l'argent, des armes blanches, comme des machettes, des piques, pour aller tuer. Fait bizarre de ce massacre, il n'y avait pas de fusillade, pas d'exécution à l'arme. Non. Pas d'exécution ni pour fusil, ni pour pistolet. Tout ce n'est pas noyade dans la mer, dans le massacre, ou bien pour armes blanches, mais pour pas des hommes. Vous ne pas impliqué, vous au centre de l'EF, vous ne pas impliqué dans le domaine. Voici un extrait du discours de Zadoyo. J'ai appelé les Haïtiens vol de la nourriture du métal fermier. Au lieu qu'ils se plaignent de cette dégradation de la part des Haïtiens qui vivent parmi eux, je réponds. Nous réglons cette affaire. D'ailleurs, nous avons déjà commencé. Environ 300 Haïtiens ont été tués à l'Alita. Le même titre, c'est 75. Et nous devons continuer à résoudre ce problème. Ce problème a commencé à être résolu à la tête de Rio, le soir même du 2 octobre. Et pendant 2, 3, 4, pendant 3 nuits, dans la zone, je vais vous montrer la carte pour que vous puissiez avoir une idée. Vous voyez cette zone-là? Je prends le premier sacédo, je vais montrer la mer, on a arrêté. Je descends, je rentre sur Santa Rodriguez, je descends sur la Vega, je vais sur la frontière ici. Toute cette partie-là. Systématiquement, les militaires avaient reçu l'ordre de tuer les Haïtiens sur le point. Coupez, mais dans leur juridiction. J'ai eu la chance en 2000 d'aller en visite chez un ami. Nous a filmé de la prison de la Vega. Lorsque je lui ai dit que je devais rentrer à Congrès, je devais retourner en Haïti le matin, un vierge qui avait une table de militaire, c'était bien droit, il était en taille, il m'a dit, soit, et que vous allez faire en Haïti, vous êtes dominicain, c'est chez vous. Il dit non, je suis haïtien. Il dit, regardez, après la plateforme de mon véhicule. Il m'a dit, ah, vous seriez mort, c'est l'époque. Non, je vous ai suivi à cette époque. Alors, puis une panique, vous allez m'asseoir dans la voiture. Et mon ami me trouvait. Et à ce moment, je suis retourné le voir. Je me dis, pourquoi? N'apportez pas maintenant. Nous avons mis mal à faire maintenant. Il est venu répondre, vous dites quoi? Il m'a dit, les jeunes maintenant, 15 jours seulement, il nous a sorti de l'académie militaire. Il était en mission ici.
Quelle terre, comme l'ami tous les militaires le font, ils sont tous dans la caserne, ils vont se coucher chez eux, bien dans le land. C'est comme ça que tous les militaires, tous les pays. Et puis, vers 8h20 comme ça, un sergent est arrivé, il était quoi? Un soldat, un sergent, il était sur le temps. Il est venu avec une dépêche. Mon lieutenant, voilà une dépêche. Il m'a dit, salut. Il a commencé à flamber. Et au sergent de lui dire, mon lieutenant, vous êtes gars, vous êtes vite un soldat. Ou bien vous avez réussi, vous désertez, et si vous êtes déserteur, je vous abattez. J'ai eu le droit de tuer tous les déserteurs qui étaient mis à battre. Il m'a dit, sachez les haïtiens. Il m'a dit ça. Mais il m'a dit qu'il a dit au serviteur, ok. Il est mort, il y avait des deux ans, je suis venu le voir pour qu'il me donne une explication. Parce qu'on était intéressé à cette histoire de frontière beaucoup plus. Il était dans un état légumes, mais pas parlé. Et, croyez-moi, tous ces papiers ont été détruits par le corps de lui. Tout ce qui va donner, tous ces dossiers comme preuve du massacre, alors officiel, tout ceci a été détruit. Tu honnes le président de lui. Vous voyez? Maintenant, le massacre a eu lieu. Massacre a eu lieu. Voici une des phrases de... Alors, la théorie de partir, c'était de dominaliser la frontière. Et dans les lignes haïtiennes, elle va beaucoup de disparaître au clair, on avait des mots chez eux. Tout le monde a fait venir de l'Espagne. Je disais de l'Espagne, non, de la salle haïtienne. C'est bien sur les médecins. Là, au moins, ils ont eu la naissance du médecin de l'histoire de l'Italie. Il a fait venir des hobbies de justice et des prostituées. Pour repeupler toute la zone de la frontière. Vous allez voir, enfin, distinguer entre les types de la vie de Ken, ceux sur la frontière sont différents de ceux sur l'autre côté. Ce n'est pas le même type. Je suis levé en premier. Les prostituées et les communes de justice. On me semble tout dans l'histoire de Ken. Donc, c'est une théorie pour une époque. Des grands partis de Mouyo, il y a Manuel Atou Binabadje, qui est le ministre intérieur, le ministère puissant, mon ami Balaguer, Joaquim Balaguer lui-même, descendant des haïtiennes aussi, et un autre qui n'était pas de couleur claire, qui était un petit peu comme nous autres. Disons qu'il était de couleur claire, mais pas de la grille comme le Mouyo. Ça me lève Tolentino, c'est lui qui est en charge de statistiques. C'est lui qui informe tout le temps de l'évolution de la présence d'Haïtiens sur le territoire de l'Union. Vous voyez? Voilà ce que l'histoire a retenu de ce massacre. Alors, je vais dire aussi que l'histoire n'a pas voulu que le fait. Le massacre a passé vraiment du 2 au 4 octobre 1937. Le massacre a commencé en juin 1937 avec la tuerie de Manita. Et c'est terminé en juin 1938. Il y a eu un an d'extermination haïtienne. Et le ministre de la Culture a eu peut-être la bonne idée pour lui d'investir massivement partout où il y a des haïtiens. Là, vous avez des écoles, des dispensaires, des religieux. Pour les missions publiques, j'ai les chiffres, j'ai les documents qui donnent tous les chiffres. Et aussi, la femme isolée, tous ceux qui ont fait partie du massacre. Et fait que l'histoire a voulu dire non plus, à partir de la tuerie de Manica, tous les autres, non seulement qu'il y avait avec nous, mais on avait les lanciers OS. Il y avait la dame Patti, Valentino, One Boss aussi fait partie de ce groupe-là. C'est eux qui écrivaient pour nous, parce que c'est un militaire à nous informer. C'est eux qui écrivaient ces discours, ces... Mais il y avait aussi un groupe d'étudiants de la WAS qui constituait ce qu'on appelle la Guardia Nacional. Eux aussi, ils ont participé du massacre de CNRS. Les étudiants dominicains, les universitaires, qui ont massacré les haïtiens pendant cette époque de tuerie, de 1937 à 1938.
Il est non. Il est non. Il y en a encore son vivant. Assez bien, les petits jeunes, il y en a encore son vivant. Ils font leur descendance aussi. En huit dominicains. Comme je l'ai fait souvent, moi je l'ai fait jusqu'à présent. Mais il y a des choses qui font partie de ce massacre. Plus facilement maintenant, allons à la frontière telle qu'elle existe maintenant. La frontière, malheureusement, dans le document officiel, que ce soit le document de la Dominicaine, ce livre-là que j'ai appris dans toutes les villes et tous les départements de la Dominicaine, c'est un livre qui est officiel. C'est cette compagnie-là qui fabrique toutes les cartes pour la Dominicaine. On parle de temps à l'unité au Bec. Le ministère du Plan, il y a des forces du Bec, parle aussi de temps à l'unité au Bec. Et vous avez le plan qui a le Seigneur comme institution. Mais la vraie langue officielle que j'ai trouvée dans les archives, dans les documentations officielles datant d'époque, donne 391 km, 654 mètres et dans 6 cm. Partant de la paix de Mancini, de Ferry et de Salcedo, jusqu'à l'embouchure de la rivière de Pélénal, entre la rivière de Pélénal et la rivière. Entre la ville de Sapit, la rivière de Pélénal, à la bonne 311, mais qui était évidemment 313. Vous voyez, il y a 6 zones qu'on a retrouvées dans les documents officiels. En 2000, c'est comme ça, dans l'archive générale de la République. En Haïti, on a fait un peu. On a les plans originaux de la frontière. Souvent, les plans de la dimension de la table, une famille spéciale, fait à la main. Les valeurs vont entrer dans ces époques-là, que les dessinateurs dessinaient les différentes cartes. Il y avait 47 plans et 313 bornes. Mais, vous allez voir plus loin, que je vais noter 311 bornes. En faisant le travail en 2001, moi j'ai arrivé à repérer 311. Comme dernier numéro à l'embouchure de la ville de Vienne. Donc il y a 14 passages frontaliers, officiels. Je l'ai cité tout à l'heure. En partant du nord, il y a un habitant de l'Haïtien, il y a un rabot de Dominicain. Dans la frontière nord-centre, il y a des habitants de l'Haïtien, comme Nador, principalement, et Gaspilla, comme ville frontière. On a Grandier, Dimani, mais on comprend plutôt de Malpasso, dans la totalité de la frontière. Malpasso de l'Haïtien, Malpasso de Dominicain. Mais ce sont les communes de Grandier et de Dimani qui habitent, je pense, sur l'Allier. Et on a un sapit pédénal, pédénales, et jusqu'à la frontière sud. Voilà le passage de Malpasse. Et vous faites la différence vous-même. Les Dominicains viennent de reconstruire leur prédacé à Haïti. Vous voyez la photo du centre. La nouvelle barrière pour ça, Dominicain. Voici dans cette barrière à ce côté-là, de ce côté-là. Voici les nouveaux laminages américains, les nouveaux immeubles se trouvent ici. Voici la partie haïtienne. Vous voyez, de Malpasse. Ça, c'est l'ancien bâtiment de la douane, de la partie centre de la frontière sud. Parce que avant, la frontière ne passait pas. Mais vous montrez ça à travers la frontière. La frontière ne passait pas par ici, par Himani. La frontière, on vivait ici, on passait par Tomazon. Et on allait dans la Saras, le Dominicain. Donc on passait au-dessus, disons au nord de la Bachelie. Mais sa résidence du général Magloire, il a fait construire un autre tronçon, le lien. Pas les bouquets, mais Gantier à Malpasse, à Provarisien, et l'endroit où on appelle Malpasse était vraiment une mauvaise passe. Le monde descendait à pic dans l'eau, il y avait des terres moustières, et pour traverser cette partie-là, il fallait avoir un bâton, mais deux bâtons, et on tapait pour trouver le fond de l'eau. Si on glisse une roche, on va foutre les mots. Parce qu'on va ôter une roche, et une fois la tête de roche, personne ne va nous venir nous occuper. Donc, les deux voies sont tendues et ont construit Malpasse sur Malpasse. Donc, le bâtiment qui est d'abord Vétus, qui est d'abord Vétus, qui se trouve du côté de
rappelle la bonne 40, de l'autre côté du lac. J'ai une photo qui est prise il y a peut-être 2 mois. Ou peut-être il y a 2 mois. J'étais dans la bonne dame. Donc la frontière en elle-même, physiquement, c'est une façon d'aller dans ce domaine, mais en plus des postes officiels, il y a 60 points de passage de l'essai. Ou points sans contrôle. Ou bien des points ignorés. Parce que moi, lorsque je vais à Tilori, les gens américains traversent sans être arrêtés pour un plateforme officiel haïtien. Donc c'est un point. Quand je dis, il y a des commissaires là-bas, il y a tout le monde là-bas. Je ne sais pas, c'est ignoré, mais c'est pas clandestin. J'ai ma femme traversée, sauf en tout ce territoire haïtien, à Tilori, en face du commissariat. Nous avons vécu la traction de Miguel, qui vient de tomber. Et donc, vous allez voir plus loin, une autre chose. Donc là, j'ai cité pour vous quelques points de passage. Dans les scènes, les plus célèbres, le cabotier, dans le poche chevalier, le cabotier cabotillo, ça nous sort un petit peu de l'avant du nord-est. Il y a aussi à mobiliser, toujours de l'Est, il y a Coros, Pondéa et Restauration. Alors pour la station, on peut passer moins en haut. Ensuite, on peut passer des centres de restauration, on peut passer en Tilori et aller aussi vers Restauration. Il y a aussi Tilori Restauration. Il y a aussi Caraos, que nous sommes là. C'est en face de l'autre. Bombani, on avait voir Bombani tout à l'heure, on avait sa rivière, dans Tibonite, on avait celui de l'Union. Il y a Savanbom, ainsi que chez nous de Cornillon. Et la Cagéi, on a sur le lac, on va rejoindre la Saras. C'est au-dessus, au vu de tout le monde. Il y a un poste, un casen de la ville Haïti, sur le monticule, et les soldats vont aller à l'hôpital de la Saint-Denis. Donc, il y a 4 débattements frontaliers. Il y a le nord-est, le centre, l'ouest et le sud-est. Le sud-est, c'est une seule commune frontalière, c'est la commune de la Saras. Et il y a 16 communes et 25 sections communales. Mais sur le satellite, on a une commune, c'est une commune de la préparation de la dernière de Baptiste, qui a été prise au même commune. Jusqu'à présent, il n'y a pas de primaire. C'est pour ça que je laisse cette commune. D'abord, c'est un vieux marché. Parce que le marché, vous voyez, les canons qui sont sur le pont. En face ici, c'est un bâtiment américain. Et voici les haïtiens qui traversent, qui vont acheter. Voici Bali. Voici Bali là. Comme vous haïtiens ici, vous haïtiens ici, vous devez là. Vous voyez le canon qui est venu, elle fait un petit bonnet, vous les laissez dans sa ville. C'est un peu de passage pour le contrôler. Là, c'est au niveau de la Sapit. Il n'y a pas besoin d'échange au niveau de la Sapit. La route qui mène à la Sapit, c'est le Bourg-Est. Les Bacabou, simplement. Et ensuite, il n'y a pas besoin de la cité économique de cette zone. Donc, okay. Là, j'ai les 4 parties de la frontière nord, nord-centre, sud-centre. Ce sont les différents blocs maintenant, c'est la frontière, la partie nord de la frontière, le nord-est, la partie sur avec Belader, je vais aller voir ici le bâtiment de passage. Maintenant, les Dominicains, pour éviter la porte de bonne, parce que la porte de bonne, quand on a son poste, lui aux deux pays, Haïti ne perçoit pas, ne perçoit peut-être environ 600 millions de dollars américains, jusqu'à 600 millions de dollars américains, à partir de la porte de bonne. Et lui, il commence à perdre tout cela aussi. Parce que les gens dominicains, voyant l'affaire avec Haïti, disent qu'ils exportent vers Haïti. Donc, une fois qu'on est vers Haïti, vous ne payez pas des taxes. Parce que le CDOPEX va éliminer la taxe pour vous. Mais en fait, on a rentré par Haïti. Le papier va être Haïti. Mais je suis est vendu au même prix, mais le gouvernement, l'entreprise permet des taxes. Donc, elle réalise un profit énorme. Donc, lorsque les Dominicains sont en train
vous les deux voilà. C'est pas ça qu'il est. Je suis sur le diable des protestations. Nous sommes en train de construire 10 points de contrôle. On est en plus des cartes officielles. C'est pour, aussi pour qu'ils proposent à faire une perte de devises, mais perte de ressources. Quand j'ai évoqué sur les deux côtés de la frontière, et ils s'organisent ensemble. Je vais vous dire, c'est quoi ici? Je vais vous prendre ton article. Il n'arrive pas chez vous, mais la facture va chez vous, par la gentille. Mais moi, je réalise les taxes. Et je vous donne un peu de taxes que je n'ai pas payées. Il y a un gars là. Ça va faire mon père. Vous voyez? Maintenant, sur la frontière, il y a différentes autorités. C'est la dimension administrative. Voilà, voilà. Il y a les autorités centrales, il y a les autorités locales. Pour l'autorité centrale, la première, la toute première, toute frontière, c'est la douane. C'est la douane qui donne accès à le territoire, dans tous les pays. Donc la GD est présente, même si elle est mal logée, mais elle est présente sur tous les points de passage officiels. Même du côté de Koumassik aussi, à Kamalika, il y a un petit point, mais qu'il n'y a pas encore contrôlé, pour la population de contrôle. Il y a l'immigration. Et ensuite, en Haïti, on a mis le Conatel, parce que lorsque vous dites qu'il n'y a pas de communication, le Conatel doit vérifier la fréquence d'émissions, des choses comme ça, pour que ça ne vienne pas mouiller les émissions en Haïti. Et le Conatel donne une durée de citation de terre ici. Donc on a la Conatel. On a le ministère de l'Agriculture, surtout de quarantaine, animale et végétale. Une évidence de la frontière de contrôle des maladies aussi. Le ministère de l'Intérieur, non seulement il y a la douane, il y a de la migration, mais aussi il y a, c'est actuellement un mal parce que de tout ça, il y a une brigade de compte vérification. C'est pas dans la loi, c'est du tout. Mais le ministère de l'Intérieur a dépêché une équipe à Malpass qui fait une contre-vérification des dossiers. Donc c'est assez bizarre, mais comme je l'avais remarqué, je ne vais pas noter vraiment qu'on allait ça. Il y a l'OABCD, tous les véhicules sur le territoire haïtien doivent avoir la police obligatoire et de l'OABCD. Quelle est la vérité? On donne ça pour un mois. De la même façon, dans la vie dominicaine, le véhicule que vous conduisez doit avoir, une autorisation d'assurance, une police d'assurance. Et il y a la PNH qui est aussi présente. Maintenant, il y a les forces armées qui ont été utilisées, mais ils ne font pas de l'office. Et sur la frontière, ceux-là, ils sont très à l'intérieur des terres pour se faire travailler, carrément sur la nuit frontalière. Corporation locale, là, ils ont un mal passe. Il y a la mairie qui fait un élément à partir des camions qui traversent. Il faut s'en servir là-dedans et à Guanamé, pas en Sabine. Mais dans mes recherches, ce fonds-là ne va pas dans les comptes de la mission communale. Il y a l'agence de transport. Puisqu'il y a un problème dans le transport des marchandises, le commerçant haïtien, le commerçant haïtien qui achète une gaine, perd le transport du gaz dominicain jusqu'à son entreprise haïtienne. Donc, ce qui ne plaît pas aux camionneurs haïtiens qui ont leur camion, ils peuvent se transporter. Donc, chaque camion qui arrive à Malpass et qui ne transporte pas, sa marchandise perd une revanche pour le syndicat des travailleurs. Pas au camion. Également, quand on prend tout le camp de pied, ça fait du camion. Génial. Et le valeur de la marchandise. Quand on prend du bois, du foam, c'est l'élément camion qu'on prend. Ça seulement, je l'ai remarqué du côté de la place. Mais il y a d'autres entités qui occupent une frontière en Haïti. Du côté du ministère des Affaires étrangères, il y a le ministère de la Commission de l'État américaine qui gère la Commission de l'État de l'Affaires politique. Et il y a la direction de l'Affaires américaine, dont le directeur, ce double-là, M. Lamotte, est là avec nous, qui peuvent adresser les frontières. Parce qu'il y a des relations avec le pays. Et aussi, il y a la Commission technique des frontières qui a été créée pour la date, a été créée en 2015. Pour le STC, c'est HD, a été créé en 2009.
et pour la CTF, créée en 2009 et puis reprise en 2015. À continuation, ce sont les différentes communes par département, les différentes sections communales qui se trouvent au niveau de la frontière, avec leur superficie, le nombre d'habitants, le pourcentage qu'ils occupent, que cette section-là occupe, et au niveau de la frontière. Je disais que la frontière est matérialisée par des bornes. Les bornes, voici un exemple de bornes. Là, nous sommes du côté de la Stahas et Quartier. On a la bonne 139 et la bonne 138. C'est du côté de la Catherine. Ils ont parti vers son nord de la Catherine. Mais il y a trois types de bornes qu'on a sur le place. Il y a des bornes qui sont au niveau des cours d'eau. Au niveau des points à discussion, là, on appelle les bornes. Jumelles. Elles portent le même numéro des deux côtés de la frontière. Vous allez voir sur le terrain, il y a la bonne bonne. La bonne numéro 1, c'est la RH1. La RD1 parce qu'elle se trouve, je suis ici à l'embouchure de la rivière de Massacre, de la rivière Massacre, et à l'Union Sacedo, dans l'embouchure de la rivière de Massacre. Donc chaque côté, il y a une bonne, mais c'est la même bonne. Ça, c'est le mot jumelle. Aussi à Vénénard, on a la bonne 311. Donc, c'est pas qu'il y a un dépassant 11, c'est un H-passant 11. C'est une bonne jumelle. Il y a la bonne antenne, donc, qui prend un numéro successif. 19-21, par exemple. Dans ce cas, de chaque côté du boulot, mais à un point de problème. Il y a maintenant la bonne commune. Maintenant, s'il y a une boîte sur, par exemple, du côté de Belader. Mais là, d'ailleurs, il y a une ligne droite, et bien il y a les bonnes communes. Sur une face de la bonne, c'est marqué RD, par exemple, 180. Sur une face, c'est marqué RH, 180. Et il y a une seule bonne. Donc si vous voulez lever ici, dans le lieu ici, vous pouvez vous lever une ligne. Ça, c'est la bonne, on appelle la bonne commune. Là, c'est une des blanches originelles, 1935. C'est des photos dans l'année. Voici les bonnes. En fait, on a le milieu va se voir et mon équipe parce qu'on avait le milieu donc. On a voulu 330 bornes, au lieu de 313 qui a des logements. On a voulu 22 bornes jumelles, 60 bornes à terre, donc à de chaque côté, et ça va être un bon commun. Numéro de 1, en bouchure de Massacre, à 311 en bouchure de Pédéla. On n'a pas remarqué dans ce bot, mais on a remarqué du tout. Trois se trouvent dans la RGI. Façon 10, c'est le premier décrivé. Parce que quoi, c'est la bonne, on va faire une description du jeu de bonheur. Et les idéologies, je vais vous abonner des et on va en avoir des fiches. Je vais vous poser des fiches tout à l'heure. Maintenant, il y a 17 bonnes de formes différentes. Les premières bonnes qu'on a eues étaient de forme pyramidale. Il y avait un grand. Et en haut, c'était avec des surfaces planes qui ont. Les autres bonnes, toutes les autres sont de la forme que j'ai montrée tout à l'heure. Là, c'est la base des bonnes. Et voici la frontière telle que nous la connaissons maintenant. Avec les différentes communes, les points verts sont aussi la ligne frontalière. Là, c'est la commune de Février, la commune de Manamel, Tapoti, ainsi de suite. Tout ça, ça arrive ici. Vous voyez que là, la Algérie est entièrement économique, les Haïtiens. Mais si vous avez fait le temps, la Algérie est maintenant sur le territoire. Une partie de l'Amérique, une partie de l'Haïti, à cause de la population là, qui est encore présente et sur le terrain. En 2017, du plan a fait la dégradation de sur le terrain. Voici ce que c'est la donnée comme document officiel. La seule c'est correct, mais pour la longueur, c'est tout à fait. Face à la deuxième zone haïtienne, face à la deuxième vidéo sur la République dominicaine, et face à la même autre dans les documents archivés, l'histoire de la frontière, comme les documents tout à l'heure.
C'est monsieur là qui est créatif, mais lui il s'assoit pour rafraîchir encore la frontière, la ligne frontalière. Il y a 4 départements, 16 communes, donc nouvelle communauté Matisse, ça veut dire 17 communes, ainsi. Maintenant, autre fait que l'abri, en 1918, c'était un atelier de Saint-Gonne dominicaine, les associations, parmi lesquelles il y a le groupe intégré transfrontalier, le groupe d'agence de Ferrier jusqu'à Thierry, jusqu'à Saint-Alassus, ils ont déclaré que la frontière était de notre pays. Notre pays, et vous allez comprendre, notre pays, c'est que ce qui se passe à la province ne m'intéresse pas, c'est une bonne frontière. Même s'ils subissent, ils ne subissent. Même pas sur le niveau. Ils ont dit, les régions ont dit qu'ils ont un problème de sécurité, un problème d'école, un problème d'hôpitaux, un problème d'économie. Donc, de l'autre côté, c'est une zone totalement négligée. Même si vous êtes dominicain, il y a un peu de façon médicale, il y a un peu de gouvernance, mais en fait, ce sont des zones totalement dépourvues. En 2015, en 1917-18, lors d'une toute dernière session de la communauté, dont je fais partie, on a eu l'opportunité d'avoir une zone franche frontalière. Eux autres, rapidement, nous avons eu l'occasion, ils ont eu une station favorisant, mais évidemment, la question de l'image chez eux, en bénéficiant de 20 ans de génération de tout type de taxes d'impôt. Sous 20 ans. Cette première version de la loi a expiré il y a peu de temps, en 2020, et il y a eu un blocage à l'arrivée du gouvernement et à au pouvoir. Les sans frontières ont eu deux fois de voir sur le monde bloqué. Ils vont bloquer cette loi. Ils ont dû faire une nouvelle cessation que finalement on vote une nouvelle version de cette loi. Mais la fois qu'on allait chez eux, est, même si c'est dans votre état, mais elle bénéficie, mais si c'est pour aller voir la compagnie comme l'État, qu'elle soit détruite, qu'il y a des compagnies, et dans les productions agricoles, qui ont des entreprises de production chez eux. Et c'est là où je ne fais aucune taxe. Par la première, c'est dans les entreprises. Je n'ai aucune taxe, et bon. Maintenant, si on peut comprendre la frontière, d'abord, ça se situe totalement dans le monde. Même si dans l'objectif de tous les pays, il y a mieux que chez nous, mais c'est une zone encore abandonnée. En termes de gouvernance chez nous, une présence minimale. Nous ne voulons même pas d'autorité. Ou bien les élus ne connaissent pas la zone vraiment. Peut-être que les assets et les assets, comme ils sont de proximité, ils peuvent comprendre les choses. Mais les gens de locales haïtiennes sont là où on a poste. Et nous ne comprenons pas vraiment, nous ne sommes pas une fois avec nous, parce que le monde a fonctionné. D'ailleurs, il va mieux fonctionner. Ils vivent de ce qu'ils trouvent, ces fonctionnaires-là. Maintenant, la vie est totalement différente. Cette vie sur la frontière est animée par les communautés voisines. Quelqu'un peut-être, par exemple, à Coros, à Roti, même son véhicule de la version qui vient à aller acheter tout comme nous. Sans aucune difficulté. Comme s'il était encore chez lui. Donc, quelqu'un de restauration que la laisser et venir à la messe. En Haïti, il vient de faire son bien. Sans problème, sans problème, sans avoir besoin de personne de visa. Donc, nous, la frontière des communautés en termes s'organise. Il y a une ambiance différente, parce que c'est pas le même niveau. Mais quand même, elle s'organise en termes. Elles vivent dans le numéro total. Maintenant, pour sortir de cette. De ce problème-là. Et chaque jour, de plus en plus, vous voyez, les consommateurs n'allaient pas ministrer en Haïti. Le côté vient de plus en plus vivant des différences éclatantes, mais des grandes choses qui existent en Haïti, les Américains sont venus installer leur panier. Ils ont des débats, d'autres débats qui se font pour installer d'autres potentiels dans la frontière. En 2015, il y a des Haïtiens et des Américains qui sont allés du côté de Laredo, aux États-Unis, frontière haïtienne et mexico-américaine.
Et il y a une exonération entre les deux pays, à travers les villes de la Mexicali, Laredo, Sinaloa, donc, dans le lac mexicain. Mais c'est Laredo sans face au ministère. Et ils ont opté, ils ont été impressionnés par cette transformation. Et ils se sont dit que nous verrons ensemble pour faire de la frontière une zone pareille. De l'autre côté, ils ont des travaux là-dessus. Même si, même à l'état de la Rideau, mais ils étaient des rois, des dispositions, construire des infrastructures. Mais encore de l'autre côté, dès avec leur avance que nous, même si nous retournons contre le pacte de l'Union dans une salle pareille, rapidement, il faut nous faire possible. Parce que dans les gars, on a pas suivi. Il faut les avoir pour nous mettre au même niveau. On fait un effort sur le terrain pour nous mettre au même niveau. Et ensuite, intéresser toutes les collectivités à travailler, à mettre en place, élaborer un plan cohérent pour un développement réaliste. Là, le pays frontière disparaît. Et puisque les gens allaient bénéficier vraiment de l'aide des deux capitales, de l'aide des deux administrations qui gouvernent l'île, comme les gouvernent les pays respectivement. Et comme ça, il y aurait des avantages de l'autre côté. On pourrait réguler le flot d'abord. Si nous avons des investissements de l'autre côté, elles respectent le travail et gagnent un peu d'argent. Quelques haïtiens n'allaient pas se faire humilier, je vais l'humilier. Les étudiants gouvernementaux pourraient être mieux gérés. Même pour la sécurité, le trafic illicite, des choses comme ça. Les deux pays pourraient s'organiser dans une situation respective pour mieux gérer cet aspect. Et vous mettez ça sur vous. Vous savez, si vous allez toujours, par exemple, dans sa ville, il y a des haïtiens qui sont pénalistes, qui sont adéquats pénalistes. Donc, il y a après l'histoire dominicaine, il y a profité de la ville dominicaine. Du côté de Cowards, de Tilori, c'est la même chose. Il n'y a pas. Tout dans le troisième pays, la traversée est facile, tu le vas le matin, tu vas à l'école, il y a une session publique, il reçoit un plateau, il revient chez lui, à l'église. Donc il reçoit une situation et il reçoit la nourriture pour la dîner. Il a des avantages. Mais il n'a pas de soin d'homme, il n'a pas de soin de l'hôpital. Donc si je prends la cette il y avait une zone ici, il y a une parce que ces zones viennent d'Afrique. Vous voyez? Donc, pour bien agir sur la frontière, même de l'autre côté, il faut connaître la frontière. Et pour la bonne relation de pays, c'est que sa frontière, pour moi, est primordiale. Là, c'est moi qui suis sur le terrain avec les cadres. La frontière, je suis dit, c'est un militaire dominicain, un militaire de la France, j'expliquais justement sur le tracé, à partir des bonnes non repérées, mais non retrouvées. Surtout que la Casemie, la bonne des 241, expliquait le sens dans lequel la frontière va. Vous avez dit travailler de la frontière depuis la sortie, depuis l'instant, depuis aux autres. C'était en 2002. Donc je me souviens encore, je suis venu à mon côté pour partir du bon, pour aller du bon. Là, il expliquait ça ici, c'était cette diapo. Et lorsque j'ai fini la frontière, il n'y a pas de problème de lui. Tout comme je disais tout à l'heure, si j'ai fini bien la frontière, maritime, on ne va pas avoir de problème avec la républicaine au niveau de l'Ilénalès et au niveau de Ferrier. Aussi avec la République de la base. La base est peut-être pas ici, mais peut-être pas aller. En 2001-2002, on a travaillé Titanès. En 3-4 mois, nous avons pu marcher sur la frontière, localiser les points, décrire l'état dans lequel se trouve, les photographier. Dès que le sommet a un point de pour y accéder, on a terminé cette phase en 2002, on a conservé en 2005. Malheureusement, depuis, l'État ne s'est pas décidé pour passer à la deuxième phase, c'est la phase de remplacement des votes manquants, de réparation des votes dommagés. Et maintenant, il y a rematérialisation des bottes qu'on ne voit pas, qui ont disparu sur les autres, sur les là-bas. Il y a quoi dans cette étape pour le moment? Il y a la bonne pour le massacre. Il y a la bonne 240-221, il y a le bonne de secours sur les zones-là. Donc il faut les rematérialiser par un nouveau objet. Et je n'ai pas eu une bonne chose. Elles sont à peu près sous
15 pieds d'eau. Là, il y a une autre fois, lorsque les autres ont remonté en 2009-2010, le directeur national à l'époque, les autorités de l'époque, ont remblayé toute la zone pour passer le passage à ma passe. Et elles ont remblayé la bonne 151. Malgré toutes les recherches, qu'on a pu faire dernièrement, nous ne sommes pas arrivés à repérer cette voie. Nous sommes encore très grave. Donc il nous faut rematérialiser la voie de son ADN. Et pour la rematérialiser, il nous faut avoir l'angle précis, le point précis, pour être tout le monde. C'est la difficile qu'on avait tracé au milieu de 2019. Donc là, il y a une photo qui est sur tous les réseaux sociaux. Nous avons un bout de game. À droite, il y a ici, à droite. Ça, c'est le côté de la terre. Et de la terre, ça va l'air. Et ça se croise. Comment est-ce croisé vraiment? Mais qui est plus croisé là ici, c'est la République dominicaine. Et ici, la République d'Haïti. Il y a une partie pas délivrée. Le bois a été utilisé pour du charbon de bois. Même ici, les espaces vides, le bois sous couvert a été utilisé pour fabriquer du bois aussi. Moi, j'ai fait avec Dieu, j'ai ramené à longtemps. Même dans l'hélicoptère sous couvert de la Gé, on avait deux points faisant du charbon de bois du côté de la SARS. La zone est très beau, je ne vais pas faire la photo. C'est la photo. Voilà, il nous faut quand même faire l'effort pour changer. C'est la. Je vous dis merci de mon attention. Merci à M. Jean-Joël pour notre rapport de cette belle présentation ce matin. On va maintenant passer aux questions. Je vais venir récupérer les fiches. Pourquoi, selon vous, les Américains continuent-ils à l'occuper alors qu'ils ont remis d'autres îles à leur pays d'origine? Deuxième question, pour cette personne, pour le tracé des frontières entre deux pays, quelle est l'institution ou l'autorité qui s'en charge? Comment, à partir de l'histoire des deux pays, procéder à une connaissance juste des deux peuples pour éviter une succession de guerres? Avec quatre questions en tout, je vais distribuer le copier. Est-ce que maintenant, des politiques peuvent se soulever et se constituer un troisième pays à l'intérieur de deux pays? Il est vrai qu'on a vu ça dernièrement avec le Sud-Soudan. Il y a le Sud-Soudan qui a changé dans le Soudan. Oui. Mais c'est une histoire de tribus, choses comme ça, qui est finalement résolue. Mais en Haïti, lorsque l'on se fait encore le troisième pays, ce n'est pas pour être indépendant. C'est parce qu'on se vit les mêmes difficultés, les gens vivent les mêmes préoccupations et les gens sont délivrés de la même façon. Vous voyez? Donc ce n'est pas l'indépendance. Je ne pense pas que une subversion en plus qu'il va y avoir l'indépendance de ces deux pays avant le troisième pays. Ça, je ne sais pas si à l'avenir, peut-être que nous ne sommes pas encore là, nous sommes plus vivants. Peut-être que d'autres forces peuvent être réunies et créer le troisième pays. Simplement, c'est une vue, c'est une sorte de protestation. Les gens s'éveillent, mais font lorsqu'elles sont dans un pays. C'est pour dire que nous sommes dans un pays, bon, nous sommes dans un pays. C'est pour dire que nous sommes dans un pays, nous ne devons pas payer à notre pays. C'est ça que les gens se c'est la peur d'un pays. L'autre question, à la base, yes. J'ai la malheureuse impression que l'île n'a pas été rendue à Haïti pour que nous ne décisions pas ce qui s'y trouve. N'oubliez pas, c'est une île très riche en diversité, avec 800 espèces endémiques à l'île, que ce soit animal, soit végétal,
voyez, le manque d'éducation chez nous. Ce sont les pécheurs qui vont, dans les pécheurs ne sont pas bien sûrs. Donc, les laisser aborder une soirée à nous, je vous demande aussi avec un peu de temps, tout le temps de dire aurait disparu. Et là, je vais la question, c'est la conclusion que je veux dire. Est-ce qu'il y a des demandes de ce de la part des autorités haïtiennes, par exemple, pour la reconquête de la navale? Il y a une demande. Dans la conscience haïtienne, la navale fait partie des journalistes. Mais une demande, c'est partie des journalistes. C'est constitutionnel. Est-ce que c'est une des raisons pour laquelle on ne nous a pas encore remis? Si personne ne se fait pas redonner ça à Haïti. Non, c'est une intéressant parce que, dans ce sens-ci, ça fait partie d'Haïti. C'est une intéressant. Peut-être qu'on n'a pas anticipé les démarches. Mais ma grande peur, ma grande inquiétude, c'est que nous perdons, mais l'humanité le perd, c'est de gestion. Ouais. Le tracé. Dans tous les pays, le tracé est l'affaire du ciel intérieur. C'est la fonction. L'intérieur, en fait, se charge du tracé entre deux pays, est-ce qu'on a dit. Maintenant, la sécurisation de la frontière, c'est l'armée qui se charge. Donc c'est de la défense. Ouais. Mais l'institution choc du tracé, c'est celle des pays. Vous n'êtes pas peut-être deux pays. Que ce soit maritime israélien, que ce soit terrestre. Maintenant, pour la sécurisation de la frontière, même qui est l'entrée du pays, maintenant c'est l'armée qui s'occupe de la protection du pays. Donc, le ministère intérieur se charge de l'animation, le ministère de la défense à travers l'armée se charge de la protection. Pourquoi est-ce que c'est un arbitrage pour tout cela? Parce qu'un autre pays peut y avoir un plus fort et l'autre plus faible, et le plus fort décide d'enquêter sur l'autre. Non. Si on se sent victime, par exemple, de l'État, c'est pour ça qu'il y a le ministère de l'Affaires étrangères qui s'occupe des relations entre les pays. Vous êtes d'ailleurs qui sont chez nous, c'est bien avec le Dominicain. Le nom a été créé en 2015, c'est le bureau des affaires haïtiennes, c'est la Dominicaine. Là-bas, ils ont le bureau des affaires haïtiennes. Donc si vous avez un corps haïtien, vous pouvez pas aller à l'ambassade, vous allez à ce bureau-là, essayer de se trouver là. Et aujourd'hui, il faut aller aux autres d'ailleurs. Mais en Haïti maintenant, nous avons un bureau des affaires dominicaines, vous avez une dame qui est sur l'affaire dominicaine. Là, on a le droit d'avoir le directeur de M. Lamotte qui est là. C'est un vieux de la situation haïtienne. Ça fait beaucoup de l'année que nous sommes ensemble dans la commission haïtienne. Vous voyez? Maintenant, l'histoire des deux pays est mal connue, je l'ai dit tantôt. Et c'est peut-être à tort ou à travers, mais pour moi, c'est un dessin. C'est un dessin qu'on ne parle pas avec l'histoire des deux pays. Je vous dis que dans la République américaine, on ne parle pas de l'histoire. Tout comme dans l'histoire de France, on ne parle pas des vertières, de la fête des vertières. Dans tous les livres d'histoire américaine, on ne va pas retrouver l'histoire. On ne va pas retrouver l'affaire célèbre qu'il a prononcée lors du départ du dernier parti espagnol, de la rade de Santo Domingo. On va retrouver ça. Vous allez plutôt voir dans la société américaine. Un pays foutu, un pays failli. Ils sont noirs, ils sont des esclaves, ils sont des esclaves, ils sont des colonisants. C'est tout comme ça. Vous n'allez pas voir les aspects qu'on voit dans la vie. Là, il y a eu le sujet qui sont des kidnappings en Libère. Il y a vu que quelqu'un qui était à Dao avait reçu le gouvernement de la Haïti. Il nous a dit dans la réponse. Je sais que l'Américaine n'allait pas répondre plus. Parce qu'il y a une histoire assez bizarre entre les deux pays. J'ai affaire de l'Angleterre. Je vous ai expliqué, je vous parlais des deux. Dans la plaine ensemble, le débat de l'État américain à Madame, le général qui était en place, à son fils, il m'a raconté l'histoire parce que je n'étais pas là. Mais je ne suis pas de ma mère, mais il a des années, mais il n'est pas de. Je suis pas de Madame. Il dit avant, lui-même. Quelqu'un, un rebelle, sur lequel on tirait, et qui capturait les balles et les mettait dans sa poche.
il est derrière sa revue, il me regardait. Bon, c'est l'histoire de la révolution des vues après. Il a fait ses moustiques sur la tête, les casernes. On s'est descendu 3 jours après, il a capturé ce lieu. C'est l'histoire. C'est la petite histoire, c'est l'histoire de la zone. Maintenant, à ce moment-là, on a retrouvé toutes les balles dans les poches de ce lapin. Toutes les balles. Les gens de l'époque confirment cette vision-là. Donc il a dit à son fils, alors je dois vous dire que ça a dû demander à l'Aragon, à la société dominicaine, avec son fils, qui était à la communauté dominicaine, pour aller contrôler un problème qu'il y avait au niveau de la massacre. On devait avoir une partition de l'eau, en deux. Et lui qui avait installé 9 ponts, et puis c'est de le pompage de la rivière, et le reste, donc, il est venu une partie de l'eau, et même c'est qu'il avec nous. Donc il venait plus sur la partie de l'eau. Et arrivé à la Rome, il a dit d'aller pas sur la frontière, d'aller rester dans la rivière. Il a dit pourquoi? Le dernier rassemblé de l'envoyé, il m'a dit, s'il vous plaît, laissez-moi rester ici, à mon objectif, afin de trouver vos esprits. Même les décolons dans le report de la Rome, sur le terrain, c'est tout à l'heure comme un cercle de page, j'ai mis son nom. Et pour son nom, il dit, vous êtes bien avec vous aussi. Il a dit, pas ça pour qu'on raconte. Il a dit, même si vous remarquez qu'un soldat ici, en Guinée, un de Guinée, un soldat avec des amis, des voitures blanches, des portes un petit peu sur les lances, qui avaient détaché, même si vous remarquez là-bas, avec un fusil sans cachette, vous n'avez pas dit. Au moment de votre attaque, vous allez voir en face de vous 50 soldats de la même façon. Et vous n'allez pas voir qui est le bon, qui est le faux. Qui soit le faux, qui est le bon. Donc, mieux vaut ne pas prendre votre plan. Ce type a été le bon ami des généraux ici, le général à l'ennemi. Alors, j'étais colonel à cette époque, et nous l'avons. Maintenant, il y a un autre fait. Lorsque ce chevalier a envahi la salle dominicaine à Borges, vous allez faire comme tout ça là ici. Il a envahi, il a violé tous les PC à la promotion de Vienne. Il a tout violé. Et nous, la société dominicaine avait dit que le dominicain n'est pas ici. Effectivement, l'armée était mobilisée pour la guerre ici. Le point le plus proche de Borges, c'était Palmas, Timani. Et les soldats étaient là, avec le général de tête, les sous-officiers, les soldats étaient là, avec leur char, leur habit de l'équipe de campement, tout ça. Et bien, à ce moment, quelques monsieur a retrouvé les bien, il est toujours avec nous dans la commission mixte. Il est là, c'est pour la capitaine, il a pas de trafic. Il m'a dit, quand il général a dit, allez l'aider. Mais chaque fois, il est allé le voir plus proche de lui, la voir plus proche de lui. C'est pas possible. Il n'a pas bougé la chaîne, il y a beaucoup de pelotons. Il y a tout un régiment qui était là. Finalement, il a fait le rapport de lui, il faisait ses marches arrière, et donc, il a allé l'aider. Mais il a fait des affaires sur lui, il fait des affaires sur lui. Et puis, maintenant, les autres ont commencé à passer au général, Là, nous, il y avait une amie qui était aussi, qui était après nous. Ça passait devant là. Il dit, bonjour, ça passe, nous, on va y passer devant ça, ici, on va être devant ça, on va tourner dans le pays. Ils ont vu quelque chose passer devant eux. Les autres femmes, même comme une sorte de bête. Non, disons que une image, une fumée, ne s'en pas, ils vont juste. Voilà, c'est l'anecdote de l'histoire armée, Haïti. Donc, dès que le soldat américain a parlé de l'histoire haïtienne, il y a une autre sphère haïtienne. Il y a une autre sphère, une autre approche. Jusqu'à présent. Vous savez, lorsqu'on a dit ça, l'armée n'a pas gagné. Vous savez, parce que. C'est une chose qui. Ils me souviennent de la révolution. Comment on a fait la révolution? C'était des extrémistes. Ils ont le souvenir de les salines. Pétion et Christophe qui ont saccagé. Massacrer les Dominicains. Alors, les histoires de l'expérience en abandonnant la présentation d'occupation. Ils ont le souvenir de Soulouk qui a massacré et récupéré les territoires. Donc, ils savent que nous je vais pas. Et dans de la carrière des autres. Bref, c'est vous dire que l'histoire ne va pas dire ces choses-là. Mais nous autres, nous savons. Nous l'avons dit aussi, dans l'histoire des Haïtiens. Perdition économique, lors de la signature du traité anti-israélien, lors de la signature du traité
lors de la signature du traité de 1929, les Haïtiens s'étaient engagés à rembourser aux Haïtiens et qui avaient leur bien, toute la valeur de leur bien, non, au milieu de l'époque, dans une, au village de l'époque, mais ça n'a pas été. Mais les Haïtiens avaient bien la gauche, mais ils ont resté plus bon l'eau, le verser tout, alors de la tête, sinon on va faire sa tête. Vous voyez? C'était en 1929. Sur si le président dominicain va sur sa tête, les Haïtiens, plus bon. C'était en 1929. C'est le premier qui était signé après celui-là. Après l'occupation américaine. Pas de question. Je vais répéter la frappe de la personne qui a écrit. Je vais dire parce que je n'avais pas fait ma main. Allez, vous pouvez bien en faire, s'il vous plaît, merci. Là, voici le, l'espace pour ce qu'on a dominé au bout de ma passe. Au bout de ma passe. Et là, ça ne fait pas rien, ouais. Là, surtout, ils appellent ça pour mon édifice ou mon diagénial. Et parce que cette fois, dans l'Haïti, le monde administratif. Là, on peut trouver la justice, la santé, l'agriculture, la police. S'il y a une façon pour nous affronter, mais tout est réglé sur place. Mais bref, de gros, tout est réglé sur place. Mais c'est difficile. Nous avons suivi déjà à Bernadette. C'est ce qui avait posé des problèmes il y avait 22 ans. Lorsque j'ai été tué en face de la maison du maire de Bernadette, on pensait que c'était un déroïcien qui pouvait être un déroïcien de lui. Mais là, il y a comme ça, il y a des photos, il y a pas. Et il y en a d'autres, il y a. Et puis il y a la nouvelle barrière, mais on va en moins. Nous sommes en rétablissement de Bodéna, conçu la ménage de tronçon qui est pas de la nouvelle barrière à l'axe normal pour être en Haïti. Bonjour. Alors j'ai deux questions. La première question, je suis allé dans le temps, peut-être que ça a été dit, mais j'aimerais savoir combien d'Haïti d'une part et de l'Olympien, d'autre part forme le troisième pays. Pourcentage et puis quels sont les apports bilatéraux qui sont en vigueur actuellement entre les deux. Il y a deux autres questions. Au cours du génocide, où étaient les États-Unis? Quelle a été leur position face à tout cela? Quel a été le motif principal des Dominicains pour organiser le génocide? Y avait-il une cause occasionnelle ayant déclenché cela? Et les
la nation. Elle est récolte. Elle est récolte de l'homme. La raison évoquée par les individus. Par exemple, il y a l'affaire épidémie ethnique, couleur, raciale, tout ça, origine et puis religion. Il y a aussi cet aspect Alors, je l'ai annoncé tout à l'heure, il fallait quand même qu'on mette de l'autre du côté haïtien. Je vous ai dit, si vous voulez, si ça n'a pas cette voie-là, de la zone de la même. Mettons vous voulez, je vais dire, il y a des cas qui vont être. En ce moment, il y a des gens de la zone même qui traversent ces cas-là, c'est ça. Vous voyez? Donc, il y a cette affaire de couleur. Il y a cette affaire raciale, origine, esclavage, tout ça, religion. Il y a aussi le massacre perpétré par les troupes de Dessalines, donc Christophe Pétion, et les troupes de Soudan. Il fallait que quelqu'un se vende à sa façon. Mais les Américains étaient raison. Avec la raison, et vous allez comprendre l'histoire des Américains dans le 17. La petite chose arrive là. Les Haïtiens qui se trouvaient dans les batailles n'étaient pas victimes. Et il y a beaucoup de batailles sur les frontalières. Aucun bataille n'a subi l'action dans le milieu. Et les Haïtiens étaient protégés par les propriétaires d'Américains des batailles. Des multimillions. Donc, que lui fait? Donc, Américains étaient là, non? On ne pouvait pas aider les Américains à cette affaire-là. Deuxièmement, lorsque les Américains ont pris conscience du dossier vraiment, c'est là, c'est vraiment qu'on a été tué. Les finalistes de la journal avaient demandé. Les journalistes de l'Algérie, le gouvernement, vous m'avez dit maintenant, ils avaient toujours dit, on coupe les relations avec lui. Et ils ont coupé les relations avec lui. Pour la investir, investir pour la dans le marketing de l'Algérie. Dans le lobbying pour se refaire une idée. Beaucoup d'argent a été dépensé pour ça. Pour laver son image, parce qu'on avait finalement aperçu, on avait l'article des jeunes américains, que c'était une affaire d'État, d'un crime d'État. Donc, pour être impliqué, parce qu'il avait donné l'ordre lors de la réception du docteur à chez Madame Isabelle Meyer. Donc, vous êtes impliqué. Mais malheureusement pour nous, tout de suite après le massacre, soit le 15 octobre, Évremont Barrier a dit qu'il y avait une petite incident sur la frontière dont les Américains sont sortis blessés. Légèrement. Donc Haïti commençait à faire marche avec les Russes. Mais les Américains, les Latino-Américains ont tenu bon. Il devait y avoir une réunion à son cadre de Chile. Et là encore, ils ont appelé Puyo et accepté de verser un peu d'argent pour les familles qui ont été victimes. Ça devait être $750,000 avec qui devait être versé. Mais toujours, dans l'incident de la mort, pas le massacre de la mort, malgré la confirmation des faits. Beaucoup de gens ont là-dessus, on écrit là-dessus. Finalement, $500,000 ont été versés. J'ai quelque part le numéro de mon chef qui a été versé. Mon chef a été versé. C'est pas le chef. Mon chef a été versé. Mon chef a été versé. Mon a été versé. Mon a la copie, mais le numéro de mon chef. Mais mon troisième n'a pas été versé. Mon chef a été versé. $700,000. On a versé pour la tuer. C'est une bonne année garantie qu'on a tué. On avait pas pour la 25 dollars de plus avoir fait des choses comme ça. Mais un autre fait aussi, dans l'histoire du Mandela et du génocide, personne ne sait exactement combien d'Haïtiens ont été tués. J'ai dit tantôt que officiellement le massacre a duré du 2 octobre à l'octobre. Et dans les faits, le massacre a duré du 2 juin 1937 à juin 1938. Donc,
beaucoup d'Haïtiens au Pérou. Sauf ceux qui ont été sauvés par les mêmes, par eux-mêmes, parmi lesquels Francisco Benavides. Elle ne va pas se mettre et a appelé le sommet. Le même temps, il se met, et là, on s'est parlé à la baille, comme il s'est rendu compte, la première ville de la baille, le premier ami. Vous avez l'air sous l'univers de la commune, et le ministère. Vous avez vu, lorsqu'il a la boule avec le président, Marie Lassandre, qui va se faire vu à son retour de son réaction. Toute la zone, on appelle les embarquements, les trois ponts, étaient bourrés de gens qui étaient venus à son retour et l'accueillir. C'est avec ça que le président Lagarde a dit, moi, j'abandonne et je fais la messe avec le MS. Mais il y a un autre président, parce que lui était scénariste et il était à la guerre, et il était l'un des auteurs intellectuels de ce massacre. À ce moment-là, il était déjà fait étranger lorsqu'on a eu le massacre. Ensuite, il est le vice-président, il est le ministre de l'Intérieur. Tout le long de cette période douloureuse, il a occupé plusieurs postes importants. Mise la résidence, mise la résidence. Non, ils avaient tous ce passé. Ils avaient tous ce passé. On dit même que son parent. Maintenant, il parle de René, et ils ont annulé tous les son parent de pouvoir leur arriver à leur mère. Ouais. Donc, par la guerre, lui, a tout su, c'est pour ça qu'il a tout fait pour lui. Peut-être qu'il pense qu'il lui a se manger, c'est de la résidence. Et une autre chose, plus d'abord, qui fait que moi, je vais faire des doutes sur l'affaire Villermite. Villermite. Peut-être qu'il y a un accord secret entre le président Vincent. Vincent et le président Rio. Je fais que l'histoire est relatable. Il y avait dans la chaîne le colonel de Ostend d'Alix. Il est commandant du Lorès. Qui était ensuite venu commandant à Port-au-Prince. C'était un bon ami de Dieu. Très bon ami. C'était ses deux frères. C'était comme deux frères. Vous voyez? Il était de frères, mais il était de là. Touillot avait envoyé des espions en Haïti. Parce qu'il voulait s'assurer de l'élection. Il voulait faire des nationalistes. Il voulait être la liste de l'élection en Haïti. Il voulait faire des nationalistes. Donc il allait être en Haïti pour organiser ça. Le gouvernement ici a eu temps, mais on pouvait les affaires, on ne sait pas quel moyen. Un matin, on a ouvert les têtes des trois gestionnaires de mon consulat américain au travail. On a ouvert les têtes pour faire des candidats à Corbus. De mon consulat. Quelqu'un a déposé au gouvernement. Et c'est le même jour où il a ordonné le massacre. On dit que lorsqu'il a su cette histoire, qu'il a ordonné le massacre des Haïtiens. Monsieur Poitiers, de quelqu'un qui a trahi l'Haïti. Ou bien le président, ou bien le militaire haïtien. On parle aussi d'Astel Gaulle, des colonels. Mais, chose bizarre que le soit de la part. Le colonel de Ostend d'Alix, un haïtien, il est en Haïti, il parle haïtien, mort comme nous autres, il était mort comme nous autres. Tout de suite après le massacre, a été intégré dans l'armée dominicaine au rang de général et dirigeait la région nord-ouest du pays, jusqu'à sa mort. Il a dirigé toute la zone de Monte Cristi et Porto Plata, d'Arabon, c'est le commandant, il était national dominicain, et général dominicain, et premier gardien général, et il commandait les hommes jusqu'à sa mort. Plus tard, on a même tous passé l'homme de la vie d'être le Dieu. Mais voilà l'histoire de cette tuerie-là. Que ça veut dire qu'on n'a pas compris. Il y a trop de faits bizarres. Les États-Unis, c'est laïcien. Formé par l'armée haïtienne. Ouais. Donc, les Américains étaient là. Ils ont tout suivi. Ils ont même assez au bas, rejeté de l'eau. Mais c'est nous autres là. Et dans une mission qui avait été alternative, je vais parler de la porte de la route, qui a été signée à la fin de janvier 1938, où les Haïtiens vraiment, c'est distancé de cela faire du massacre, cela avait l'air. Il avait l'accord de la mort. Elle était beaucoup de souverainetés de cela faire du massacre. Donc c'est nous qui sommes la cause de
de cette histoire-là qui a mal tombé, pour la valeur à laquelle nous comprenons le droit. Il y a pas d'autres questions? Alors, il y a une question. Est-ce que vous pourriez passer un dernier mot, monsieur Jean-Jean? En conclusion, je vais dire que c'est une histoire à laquelle beaucoup l'a essayé de s'intéresser. Malheureusement, c'est la 75 qui a l'affaire. Et je ne sais pas, à ici le sentiment. Et les noces que nous avons, on doit faire beaucoup de noces, participation, parce que je n'ai pas sur la frontière. Nous, les Haïtiens, connaissent la frontière, connaissent pourquoi elle est là. Et que tout cela va leur permettre de mieux comprendre les relations qui sont dans le pays. Et nous parlons vraiment de n'importe quoi. Et quelquefois, appuie les choses, et se disant que le week-end, nous allons travailler. Donc, sur le reste, je vais le week-end. Nous ne sommes pas contents à combattre avec le week-end. Le massacre pour vous-même, quand les Haïtiens sont pendus. Sont tirés par balle, tu vois balle, nous faisons la mathématique, nous sommes à la presse pour faire du marchandage politique. Et malheureusement, il y a des Haïtiens qui opèrent en Haïti parce que si nos frères haïtiens ne vont pas l'histoire, ils n'ont pas encore la chance d'entendre les choses sur l'histoire, ils vont faire l'histoire. Donc, je reste sur ce que et pour l'encouragement. Je vous souhaite des questions, j'espère avoir le plus fidèlement possible, la meilleure façon possible aux questions qui ont été posées. Juste en fait, je vous souhaite d'écrire et je vous souhaite un plaisir de vous écrire sur l'assassinat. Je vous remercie à cette tradition d'avoir éclosé à la conférence. Merci à vous, M. Jean-Jean, et merci à vous, cher public, d'avoir fait le déplacement. Merci aussi d'applaudir encore une fois le gouvernement. Alors, bien avant de partir, je dois vous annoncer que samedi prochain, on aura un spectacle oratoire ici avec des membres de l'Espace International. Nous avons également des livres, qui sont des exemplaires de certains livres qui sont en vente à ces trois éditions. Il se trouve dans le présentoir qui est à l'arrière. Après, vous pouvez passer et regarder si vous voulez bien acheter, on sera là pour vous livrer. Merci encore une fois d'avoir fait le déplacement et restez connectés avec ces trois éditions pour toutes nos prochaines activités. Et sachez-le aussi que la salle Michel Soukart est disponible pour tous les contenus de qualité. Donc, si vous avez un groupement qui voulait faire, qui veut faire une activité, la salle est là et c'est gratuit. Alors, merci encore une fois et bon week-end. Merci.